Bonjour et bonsoir à tous. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Je tenais à me présenter à tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle Descocha, la youtubeuse du moment. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va s'intituler « Qui connaît le mieux mon mari entre moi et mes belles-sœurs ». Donc, vas-y, prends la parole maintenant. Explique-nous. Donc voilà, donc je me présente, c'est Malchi PDM. Vous me connaissez déjà. Alors, pour commencer, il y aura un questionnaire, très simple, un questionnaire. On va savoir qui me connaît le mieux entre mes sœurs. Et c'est ma femme. Donc, on va commencer directement avec les ardoises. Voilà. Donc, à chaque réponse... On va dire que c'est un jeu de rapidité, mais après tout dépend si la première personne a la bonne réponse ou n'a pas la bonne réponse. Donc je pose les questions, au fur et à mesure on va voir qui me connaît le mieux. Ne vous inquiétez pas, je vais compter les points. Écrivez gros. Hein. Voilà, alors, première question. Non, franchement. Quel est mon chanteur préféré? Top. C'est bon. On a mis la vie, moi j'ai la même. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit pas bien. C'est la lumière. Maintenant que je puisse voir les réponses, parce que je sens que vous êtes toutes trompées. Je suis sûre que c'est pas ça. Voilà, fausse réponse. Ça a été une deuxième chance ou pas? Bah oui. Jusqu'à quand on va trouver? Mais il n'y a pas de chrono dans ces cas-là, alors ça veut dire. Bah ouais, du coup. Ouais, j'avoue, on a laissé le chrono. Bon, allez, je vous laisse. On enlève le chrono parce que ça va vous servir. Essayez de trouver, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Aïe! Non. C'est vous, j'ai trouvé. Faux. Non, non, c'est faux. Voilà, c'est faux. Ah, mais t'es sérieux là? Il y a moyen. C'est logique. Pas loin. C'est faux, mais c'est pas loin. Réfléchissez bien. Pas loin. Là, c'est grâce à... Un indice, c'est grâce à ça que j'ai commencé la musique. C'est grâce à lui que j'ai commencé la musique. Ah, en fait, j'y crois, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Bonne réponse. Ah mais non, mais vas-y. Rien à voir. René Lecoix. Voilà, René Lecoix, c'est mon chanteur. Carrément, ton chanteur préféré. Mais tu l'écoutes même pas, ouais. T'écoutais juste les concerts, vite fait. T'as un mytho de ouf. Je connais le concert de 1h21 par cœur. Oui, quand même, nous aussi, ouais. J'ai l'impression qu'on connaît, mais c'est mon chanteur préféré. C'est mon chanteur préféré. Bon, déjà, j'ai un point. J'ai jamais entendu parler de ça, oui. Deuxième question. Quel est mon club préféré? Un point pour Béthiline et Madeleine. Eh non, voilà, j'avais écrit aussi. Ça, c'est juste parce que c'est tout. Elle écrit FCB. Ça va aller. Ouais, de fou. Avec quoi? FCB, Football Club de Barcelone. Putain. Un point. Troisième question. Quelle est ma boisson préférée? T'as mis quoi? Non, c'est faux. C'est faux. Oui. Bonne réponse. C'était quoi? C'était 7-Up. Vous avez un point de plus si vous trouvez la variante. En plus, c'est les deux ou c'est le Morito? Un point de plus si vous trouvez le goût. Lequel 7-Up? Morito. Il faut écrire. Écris vite, toi. Non, mais ça se fait pas. T'es un tricheur. Ta réponse, j'aurais pu la compter fausse. Pourquoi? Parce que c'est 7-Up Morito. Parce que c'est 7-Up Morito. C'est pas 7-Up. C'est dur, genre, elles aussi, elles ont deux et moi aussi j'ai deux. De quoi? Ben non, elles ont deux, moi j'ai deux. Non, t'as un, vous avez 0,5 quand même. Parce que vous avez trouvé un peu plus. Moi j'ai mis deux barres, ça fait un, deux. Non, toi t'as mais deux. Une barre, oui, toi t'as un point, elle. Ça c'est quoi ça? 0,5. C'est quoi ça? Voilà. Dans tous les cas, moi, je suis des carrés, je suis pas des. C'est bizarre toi. Moi, tiens. À quel âge j'ai commencé le football? Mais voilà, j'ai vous pouvez montrer vos réponses. Ouais, bah oui, la femme légitime. Je suis choquée. La femme légitime, s'il vous plaît. On mange pas tôt comme ça aussi. MDR. Non, là, j'ai commencé à 5 ans. Un point de plus pour ma femme. Quel est mon fruit préféré? Oh, peut-être c'est ça, attends. Non, mais t'es malade ou quoi? Au contraire, c'est celui qu'il aime pas. Ah, je me disais bien. C'est ça? Non. Elle a dit orange, elle a dit banane, c'est faux, j'aime pas la banane. Bonne réponse. Oh mais t'es un menteur de ouf. Il n'en a jamais acheté. T'en as jamais acheté. Ah
À chaque fois, maman allait l'acheter à la maison et il finissait tout. Et pourquoi t'en achètes jamais quand on va au magasin? Mais parce que. Menteur que tu es, alors la miskine. Je fais pitié. C'est la pêche. Mais là, ils ont 3,5. Oui. T'es un menteur, j'aime pas les gens comme ça. Fille aux yeux. Question suivante, vous êtes prête? Quel est mon plat préféré? Mais n'est-ce pas écrit? Vas-y, écris-le vite! Allez! Tiens! Non! Là, c'est faux! Vite, et là, il manque un élément! Non, je sais! Bonne réponse! C'est bon. Oh, mais ouais, t'es un tricheur, toi! Ah, c'est Fumba de base! Ouais, t'as vu? C'est ça, c'est ça! J'ai ri Fumba, du Fumba, star! Je sais pas! Tu manges tout ça du Fumba? Non, mais c'est Fumba, je sais pas avec quoi tu manges! C'est ça qui est préféré? C'est ça mon préféré! Voilà! M'a des souris! Le Fumba, ça m'a gazé! Mais tout le temps, il en demande! Oui, de temps en autre! Mais je préfère manger plus ça que ça! Bon, vous entendez Nana qui miaule? Ouais! Alors, vous avez même pas montré vos réponses! Bon, moi j'ai mis et chine! Riz madessou, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, du riz, des haricots blancs, avec de la côte de Chine. Côte des porcs. Ouais. Elle a du riz, du foumbois. Franchement, c'est quoi ce combo? Au départ, elle avait dit des pâtes, je crois, à la carbonara. Mais c'est ce qu'on mange tout le temps, la carbonara. Mais c'est pas son plat préféré. C'est pas mon plat préféré. C'est pas son plat préféré, il mange, mais c'est pas son plat préféré, c'est bien préparé, mais c'est pas. Alors, pour cette question-là, la vraie bonne réponse comptera double. Okay. Parce que je pense que... Alors, prête? Prête? Ma pointure en chaussure. 46. Non, j'allais dire ça en plus. Vas-y. Je crois que tu prenais une taille de plus, moi. Bah, une taille de plus, c'est 46. 46. Et tu fais du 45 à la base. J'ai dit ma vraie... voiture. Ben non, ta vraie voiture, dans ces cas-là, c'est 45. 46. C'est pour ça que j'ai bien précisé. Non, dans ces cas-là, c'est 45 et tu prends du 46. J'ai bien précisé. J'ai bien précisé. Mais c'est pas ta vraie. Non, c'est pour ça que dans ces cas-là, il fallait dire ta fausse pointure. Non, mais on peut passer. Mais non, c'est 46, ça, quoi. C'est 46. J'ai bien précisé parce que vous, je sais, vous êtes un peu là et j'ai grossi. Mais moi, je savais que c'était 45 et que tu prenais 46. J'ai grossi les pieds. Je peux pas mettre du 45. C'est comment grossir les pieds? Ben oui. Quel est le fruit que je déteste? Le plus c'est le mien. Ouais, d'ouf. Bonne réponse pour les jumelles. Ouais. Banane, moi, mangue. J'aime pas la mangue. Mais banane, il banane, déteste. Vraiment, il déteste. Tu le sais. À chaque fois, je te dis, moi, la banane. C'est ça que je t'avais dit dans la voiture quand on en parlait. Ouf, j'ai pépé pas. Et puis, j'ai pépé pas. Tu vois, quand je t'ai dit qu'on en parlait dans la voiture, c'était ça dont je te parlais. J'ai oublié de compter un peu aussi. Mon fast food préféré. Hein? Fast food préféré. Non, c'est ça, hein? Non, bien joué. Ah, c'est ça ou pas? Bien joué. C'est quoi, BK? Bien joué. T'as même pas écrit. Mais c'est grave parce qu'en fait, tu manges jamais du BK. C'est ouais, ça, il mange McDo, mais c'est parce que c'est le plus cher aussi des McDo. Il n'y a pas de BK à côté. Je me rappelle, quand on l'a eu sur Insta, je voyais tout le temps Burger King. Je me disais, comment tu peux préférer Burger King à McDo? Déjà, McDo, ça en bas. Non. BK, Quick, McDo. Non. Si. T'as fait tomber McDo, c'est parce que c'est accessible. McDo, Quick, BK. McDo, c'est accessible. BK, McDo, Quick. Non, BK, Quick, McDo. Et BK, Quick, c'est la même chose pour moi. Alors, un point. Ah, les jumelles auront pris de l'avance. 6,5 pour les jumelles, 6 pour Christelle. C'est chaud. Quelle est ma couleur préférée? Ça, rien du tout. Mais tu sais que j'ai... Non. Ok. Vous avez peut-être une chance. Est-ce que c'est une des? C'est faux. Voilà la vraie réponse. J'ai mis bleu ciel. Le rouge. Le rouge. Parce comme... que ça va trop bien, ma femme. Tu te rappelles pas, il m'avait dit. Oh, mais... bébé. Non, c'est pas toi qui aime le rouge, c'est pas toi. Il a dit ça va trop bien, ma femme. Trop mignon. Christelle Decocha qui reprend de l'avance. Oh là là, c'est chaud, ma gueule. C'est chaud. Oh, c'est ma mère, hein. Il y a une pression sur le plateau. Oh, tu peux même pas savoir. C'est un truc de ouf. Oh, les jumelles sont serrées. Oh, il y a des gars ici qui peuvent parler avec elle. Oh, regarde Madine, le visage, je l'ai serré depuis tout à l'heure. Elle n'arrive même pas à parler. De ma mère, elle a trop les nerfs. Oh.
C'est bon les Toulousains, ouais. Pas pour les cagettes non plus. À un moment donné. À un moment donné. À un moment donné, vous se réveillez. Après de l'avance sur vous. Je te le dis. Quel est ton problème? Non, je rigole. Ouais, non, mais... Quel est mon style de musique préféré? Ah, beau boulet bien. Faut pas écrire trop vite. Pas écrire trop vite, réfléchissez bien. C'est faux. Ah ouais? J'ai mis Seven. T'as mis les Seven. Tout le monde va me dire, écoute que ça, non. Là, faut être très réfléchi. Non plus. Non. Non plus. Réfléchissez bien. C'est pas de la musique brutale. C'est mélodieux. Non, c'est pas ça. J'écris la même. C'est pas loin. Wesh. Si vous trouvez. C'est quoi ça? N'importe quoi. T'es parti loin. Slow. Non. J'écris Zouk. Si vous trouvez vraiment le style, je vous donne 3 points. Attends, le style? Waouh. Précis. Vous l'avez écrit parmi toutes vos réponses, vous l'avez écrit. C'est ça? C'est juste la suite. Non, c'est pas ça. C'est pas Kozai, ça n'existe pas. Elle a dit style musical, Kozai. Répondez bien, écrivez bien. Vous avez déjà écrit la réponse de part et d'autre. C'est faux. Vous avez déjà. Ouais, mais t'es sérieux là? Vous avez déjà. Elle a écrit Rumba congolaise. Vous n'êtes pas loin. J'ai dit, vous avez déjà noté ces réponses. Vous avez noté le slow, le zouk, la rumba, l'afro, le ndomolo, plein de choses. Dans vos réponses, il manquait juste la fin. Ça va? Dis, t'as écrit quoi? J'ai écrit gospel. Tout le monde sait, j'aime pas le gospel. Attends. J'aime bien écouter de temps en temps. Non, mais vraiment. Ma dose. Anglais, kakate. Attends. C'est une musique exotique. Exotique. C'est ça? Ah, c'est faux! Mais c'est pas loin! Jamais! Elle a dit le compas, j'aime beaucoup. Mais c'est moi aussi, elle dit. Compas qui s'en bat, c'est bon, mais. Ouais, mais toi aussi. Alors, vous voulez un indice? Franchement, ouais. Vous voulez un indice? Ouais. C'est alors, bon. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. C'est ça? C'est faux! Non, mais t'as ce pas style de musique se joue en Amérique du Sud. Oui. En Amérique du Sud. Mais je crois que c'est ça parce que. Citer les pays. Non, c'est pas loin! C'est pas loin, citer les pays. Réfléchissez, y'a quoi? Y'a quoi en Amérique du Sud? Y'a quoi, wesh, là-bas? Y'a quoi en Amérique du Sud? Y'a quel pays? Quel pays en Amérique du Sud? Citer les pays. L'Argentine. Vas-y, sérieux, pas normalement. C'est la rumba colombienne. Ah, mais la Colombe. Avec compagne, seconde, vous connaissez pas la rumba colombienne? Ben non. T'es ridicule, déjà êtes, t'écoutes même pas ça. Donc ça tu racontes, vous êtes vraiment mieux. Je vais vous enlever. Vas-y, mets-nous un son. Je vous enlève 2 points. Ah, t'es vraiment nul en fait. Je vous enlève 2 points pour la question. Vous êtes nul. Pas normal. Je vous enlève 2 points pour mais la question. Mais c'est pas normal. Franchement, j'aurais jamais trouvé. Quelle est ma dernière photo Instagram? Mais écris, wesh. Non, vas-y, c'est bon, moi j'ai écrit avant. J'ai écrit... Non, mais tu m'as. Nous avons la VAR, s'il vous plaît, la VAR, voilà. Ce tableau a été levé en premier. Tu peux montrer ta réponse parce que je crois que. Waouh. Crémaillère. Bon, tu peux réécrire, s'il te plaît, pour montrer aux téléspectateurs ta réponse. Bah, c'est bon, la VAR. Bon, et puis elle a été. Alors, nous allons vérifier en live la dernière photo. Je vous montre. Ah, on s'est trompé. Voilà la dernière photo. Et c'était la photo de la crémaillère, donc 1 point, 5 points pour Béthiline et Madeline. 5 points pour Béthiline et Madeline. Oh là 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 là. Combien? J'avais dit. 5 points. Ben oui, j'avais dit prochaine question, 5 points. Faut donner un peu de piment. 5? 5 points. Mais c'est pas d'art, 5. J'ai dit 5 points. Alors nous continuons la dernière question. Cette question-là vaut... 6 points. Cette question-là vaut 6 points. Ma touche. Quoi? Allez. La question est... Alors, je précise bien. Réfléchissez très bien quand vous allez donner vos ou votre réponse si vous avez du premier coup. Quelle est ma série préférée? Réfléchissez très bien. Toutes séries confondues. Une série peut être en 3D, peut être un dessin animé, peut être
tout ce que vous souhaitez, des mangas, ou quoi que ce soit. Tiens. Réfléchissez. C'est pas une série, très, ça. Très, ouais, mais très. Il y a plusieurs. Hein. Quoi, c'était ça? C'était ça ou pas? Vous avez vu quoi? Non, c'était pas ça. T'es sûr? Ouais, ah, c'est bien. Réfléchissez bien. Je sais plus comment on écrit. Tu voulais écrire quoi? Le truc là. C'est ça? Non. J'ai écrit Top Boy. Ça ne se trouve pas sur Netflix, je vous le dis déjà. Ah. Je regarde ça sur YouTube. Au moins. Écrit. Au moins une fois par mois. Mais au moins, avec lui, facile. Au moins une fois par mois, je regarde ça. Ah, depuis que j'étais à la maison, je regardais ça. Tu regardes la télé à la maison? J'ai oublié, c'est quoi le nom? C'est dommage. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, voilà. C'est pas ça, mais c'est dommage. C'est pas ça? Tu m'entends ou pas? Non, c'est arrête. C'est tiède. Vas-y, toi. C'est dans ce style-là, mais c'est tiède. C'est ça? Attention. Qu'est-ce que vous avez montré, moi? Montrez. C'est pas ça? Montrez. Olivier Tom. Moi, j'ai mis Naruto. Alors, parmi ces deux. Ou Fairy Tail. Parmi ces deux réponses se trouve la bonne réponse. C'est nous, il aime pas, je n'aime pas Naruto. Parmi ces deux. Vous avez ça? Tu l'as dit hier, quand tu étais chez la maman Rose. Qui a la bonne réponse? Nous allons voir ça après la pub. Après, franchement, tu me saoules si c'est pas ça. Alors, remontrez s'il vous plaît. Gardez le tableau proche. Mettez, montrez bien. De ce côté-là, nous avons Olivier Tom. Et de ce côté-là, nous avons Naruto Uzumaki. Parmi ces deux réponses se trouve la bonne réponse. Mes très chers téléspectateurs, à partir de votre écran, essayez de deviner quelle est la bonne réponse. Nous allons donner un décompte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est faux! La bonne réponse est pour Uma! Allez, il y a un bon menteur, je suis choqué! Non, mais tu sais qu'il regarde vraiment ça. Bravo! Je l'ai jamais vu. Vous avez 6 points supplémentaires. Je regarde ça une fois par mois. Gros, on a combien? Tu nous montres tes bas? Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 17 et demi. La honte. Tu as. La quoi? Elle a même pas 7, je crois. Hein. Non, je crois qu'elle a 7 carrément. Là, on t'appelle. Au calme. Je rigole, il reste une question. Question qui vaut 20 points. Quoi? Est-ce que Kissy de Kocha va réussir à remonter ou il est vraiment mettre... pas d'accord en fait que sa femme elle perde en fait. Il veut non, pas, tu veux parce que si tu perds. Non, moi j'aime les défaites humiliantes. Non, soit c'est vous, soit c'est elle. En fait, tu veux qu'elle gagne en fait. Bah oui, exactement en fait. C'est normal. Sa femme, non? Alors? Non, c'est parce qu'elle a le seum, il le voit. Tu vois qu'elle a le seum là? Tu vois qu'elle a le seum. Attends. T'as entendu, elle a dit quoi? T'as le seum? Non, elle a dit quoi? Elle? Non? Bah, demande-lui de répéter ce qu'elle a dit. C'était une seum larme. Une seum larme. Ça me fait... Mais ça me fait pas rire. Mais c'est rien, ouais. Mais ça me fait pas rire. Une semblante. Oui, mais ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Une calcium. Ouais, calcium. Une semeur, Amine, une semeuse. Ouais, mais ça me fait pas rire en fait. Parce que tu rigoles, mais ça me fait pas rire. Calcium. Elle a dit c'est une semblante. 7 points contre 17. Qu'est-ce que je fais? 17,5. 10 points de plus. C'est rien. C'est rien. Mais comment ça, c'est rien? C'est rien. 17,5. Non, mais c'est pas drôle. En fait, il n'y a rien de drôle. En fait. Non, mais il n'y a rien de drôle en fait. Juste que j'aime pas comment elle me parle, c'est tout. De quoi? Ben, comment elle me parle, j'aime pas. Ça va, tu parles normal là. Regarde, tu fais crari, c'est qui leur copine? Mais wesh, là, je parle normalement. Mais je rigole pas. Mais tu fais crari, non, mais je rigole pas. Mais wesh, là, je parle normalement, qu'est-ce qu'il y a? Regarde.
T'as dit quoi? La femme normalement, wesh, à quoi? Toi, tu fais la meuf, toi, j'ai calme. Non, wesh. Mais elle part tout le temps comme ça. Calme, calme, calme. Regarde comment elle parle. Elle part tout le temps comme ça. Genre là, c'est normal. Mais je vais faire une polémique parce que c'est très bien. Mais comment ça? Mais lâche-moi. Mais attends, mais lâche-moi. Ça fait partie de la compétition. Mais non, tu peux pas accepter que ça, elle parle mal comme ça. Mais t'entends pas comment elle parle mal? Une semelarde. Non, ben non, elle peut pas me dire ça. Vrai dire que une semelarde. Elle peut pas me dire ça. Tu dis ça en mode c'est un gros mot. Ben non, elle peut pas me parler comme ça, c'est tout. Et je rigole pas. Non, mais je rigole pas. J'ai pas des canards, c'est tout. Non, lâche-moi. En fait, t'as vraiment le seum là. Lâche-moi. C'est rien, c'est un jeu. Non, mais non. Sinon, tu gâches l'ambiance. T'acceptes qu'elle me parle comme ça et tout en mode. Ouais, je t'ai juste le seum. Non, non, après, la suite, elle a dit quoi après? Comment elle m'a parlé après? Non? Elle m'a mal parlé. Mais c'est un mot normal, je dis ça tout le temps dans la vie de tous les jours. Et puis ouais, de non, fou, demande à qui. Mais t'as le seum, wesh, t'as perdu, c'est tout. Là, comme ça, non, là elle parle bien. Non, mais là, elle parle bien. C'est bon, elle parle bien. Genre là, toi, tu es d'accord. Ça fait une semaine, on est là, tu l'entends. T'es d'accord, comme ça. C'est comment elle parle, comme ça. C'est pour ça j'abuse. Ok. Elle te taquine. Non, mais ok. Mais de fou, wesh. Après, tu gâches l'ambiance, wesh. Mais elle rigole. Qui rigole? Toi. Je rigole pas. Tu connais que tu rigoles? Bah non, je rigole pas. Alors, je te parle sérieusement, en plus t'es là, je continue tes questions. Ah, j'ai la prochaine question parce que j'ai tes questions. J'ai la prochaine question. Mais je te parle sérieux. Bah oui, on peut arrêter la vidéo parce que j'ai pas kiffé comment elle m'a parlé. Oui, mais parce que j'ai pas kiffé. Jusqu'à arrêter, oui, c'est bon. Mais t'as juste un dessus. Non, j'aime pas. J'aime pas. C'est pour rigoler, j'ai. Ouais, mais j'ai pas aimé. Bon, excusez-vous, s'il vous plaît. C'est ce que c'est problème, elle m'a pas mal parlé, c'est bon. Regarde déjà, juste toi, tu leur dis, elle t'écoute même pas. Excusez-vous si vous voulez auprès d'elle qu'on puisse passer à autre chose. Allez. Les jumelles. Mais c'est bon, on a rien dit de mal. Il le sait qu'on a rien dit de mal. Mais est-ce que c'est vous juste? Parce que c'est pour avoir rien fait. Oui, excusez-vous qu'on puisse avancer. Elle est juste énervée parce qu'on a plus de points, c'est tout. On a bien 17,5 à 7 là. Bref, bon, j'arrête de jouer, c'est bon. À ce point? C'est bon. J'ai perdu. En plus, il reste une question. Bah, ok, t'as perdu. C'est bon? Tu joues plus? C'est bon. Tu dis de la forfait? Oui. Tu veux pas faire la dernière question? Faut qu'après, elle me parle encore mal et que tu dises rien en plus. Bref. Vas-y, dis ta dernière question. Dis ta dernière question. Je réfléchis à la dernière. Ok. Alors. Elles se sont pas excusées. Hein. Je force un peu. Non, là, pour toi, elle me parle bien. Hein? Mmh. Mais je te parle. Là, elle me parle bien. Je sais, vous foutez de ma gueule. Qui se fout de ta gueule? Mais vous. Comment ça se fout de ta gueule? Je sais. Bah, pour quoi? Vous voulez me prendre un pied. Pourquoi je ne connais pas ou quoi? Vas-y, c'est bon, il est trop fort, c'est bon, frère. Une grosse faille, wesh. C'est nul, wesh. Arrête, ça, comment, c'est pour ça, il dirait que... En plus, comment non, tu pouvais savoir? Il a commencé à savoir après, au début, il me croyait vraiment que j'étais c'est vraiment énervé. C'est quand tu l'as vu que j'étais vraiment d'Alexé. Hein? C'est quand tu l'as vu que j'étais vraiment d'Alexé. Bah oui, wesh. Tu sais que c'est pour ça que j'ai pas osé. Non, mais dis, bébé. C'est quoi qui t'a fait cramer? Mais dès le départ, wesh. Comment ça? Toute la semaine, vous taquinez. Comment ça, toute la semaine, on se taquine? Arrête, on se taquine tout le temps. Toute la semaine, vous taquinez tout le temps. Je sais, moi, je sais. Ah non, mais genre, tout le temps, tous les jours, on se taquine tout le temps, du coup. Bah, qui est qui? De vous. Nous tous, oui. De vous. Monsieur, tout le temps, je t'embête. Si, on t'embête tout le temps. Je connais mes soeurs, je vous connais pas aussi. Vous, tout le temps. Eh, mais t'es un vieux mec, quoi. En plus, il disait rien, il m'a saoulé. De fou. Excusez-vous. Vous filagez. Genre, je me suis dit, ah vas-y. Mais c'était un test, elle m'a pas fait, j'ai compris. Ouais, il savait que si. En vrai, il savait qu'on se serait ce qu'il s'est dit. T'as pas remarqué, j'ai même pas osé. Tu sais que des fois, je devais tu refermes ta bouche. J'ai même pas osé. Non, impossible, j'ai même pas osé. Il allait cramer que les gens mettent un truc blague. Ça aurait dû, hein. Ça a marché, t'as vu le silence qu'il y a eu? Ouais, même en plus, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, il a commencé à me regarder en mode. Au début, il rigolait, après son visage s'est arrangé en mode. J'étais vraiment sérieuse là. Ouais. Bref, vas-y, dernière question, allez. Même si c'est l'arrêté le jeu. Pour nous regarder. Bah oui, vous voulez comprendre. La question vaut 20 points. Quel est mon humoriste préféré?
Écrivez bien. Écrivez tout. C'est bon. Écrivez tout. Écrivez bien. Écrivez bien. Écrivez tout correctement. Ah, on l'a écrit pareil. Vous l'avez mal écrit. C'est un S, là, c'est un S. Côté. Elle a écrit en première, parce que je sais que même si je vous dis de réécrire, vous n'allez pas trouver. Alors, Thomas, vous pouvez montrer vos tableaux, s'il vous plaît. Thomas, Dijon. Alors, Thomas, les deux Dijon ont écrit la bonne réponse. Mais c'est Christelle Decocha qui a été la plus rapide. Donc, c'est elle qui remporte les 20 points pour cette question. Qui était la dernière? Nous allons comptabiliser tous les points de cette épreuve. Ça fait 27 à 17. Combien de points avez-vous? 17,5. Ah, mais on n'a pas bougé depuis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bref. Bref, à l'infini quoi. Et vous? Mais pour moi, moi franchement, je suis honnête. 17,5. Je suis honnête, pour moi, les filles, elles ont quand même gagné. Parce que elles ont répondu à toutes les questions bien. Et moi, j'ai gagné 20 points d'un coup sur une question. Hein. Et mon mari, vraiment, il a fait exprès. Parce qu'il savait que j'avais gagné. Il a essayé de comprendre son truc de. Les deux, ils ont essayé. Rumba, Rumba, voilà. Il faut arrêter. Quoi. Et quelques réponses, s'il est assez mauvaise, durant ce questionnaire. Donc, on pourra dire que. Voilà, quoi. Il y en a une. Donc voilà, en donc, tout cas... c'est une victoire de tout le monde. Bravo, main dans la main, aimons-nous vivants. C'est bon, on a quand même réussi à être tranquille un peu. Ouais, j'avoue. Ouais. Un peu. Un peu. Ah, c'est pas au parc qu'on l'organisait comme on était mort. C'était nul, ouais, votre prank. Ah oui, tu nous as mais entendu ça a quand même marché un peu. Tu as entendu parler ou pas? Quand sa tête, elle s'est décomposée, je te jure. Non, mais je savais. Il savait rien du tout, les filles. C'est juste que. Non, en fait, il vous connaît tellement bien qu'il sait très bien que vous n'aurez jamais été capable de vous comporter comme ouais, ça devant lui. Il sait que vous êtes des filles à respect. Si tu aurais été des petites déjà impolies, tu aurais capté que, ouais, vas-y là, peut-être c'est sérieux. Tu peux pas prendre le somme sur 2-3 mots comme ça. Ouais, de ouf, par contre. Pour ça, je voulais voir jusqu'à où tu pouvais aller. Jusqu'à où je pouvais aller, de quoi? Excusez-vous. Ils n'ont pas excusé, je dis ok. Là, je vais voir que toi, tu allais réagir comment. Et j'ai réagi comment? Tu as mal réagi? Ok, vas-y, je rejoue. Mais je voulais que je fasse c'était quoi? C'était trop facile. Ouais, si vraiment t'aurais pris le seum, tu serais parti. Ouais. Là, peut-être j'aurais pu douter. Mais là, mais je voulais partir, mais j'ai dit la flemme. Non, je pense qu'il aurait douté, ce serait moi qui aurais douté. Dans tous les cas, toi, tu regardais tout droit. Tu voulais rigoler, elle est partie, elle a craqué. Ouais, tu savais. Elle est même pas partie, elle a même pas craqué. Quoi? Elle est partie rigoler, wesh. Mais je ferais j'allais boire, wesh. Deux secondes avant que tu rigoles, elle est partie craquer. Elle va boire. Mais t'es une vieille, quoi, en plus, en pleine vidéo. À quelle heure tu te lèves? Elle m'a pas dit. On t'a vu. Non, mais on t'a vu partir. Même moi-même, j'ai cramé, wesh. Je fais exprès de la regarder parce que je sais, elle a rigolé dès le départ. Comment tu sais? Tout droit. Non mais bref, dans tous les cas, tout droit. Dans tous moi, les c'est cas, elle que je voulais faire rire. T'as commencé à y croire parce un peu. Que vous deux, vous rigolez. Moi, c'est elle que je voulais voir rire. Au final, elle a rigolé. Je connais. Non, tu sais que... Mais Lucie, elle te regarde, elle rigole. Tu sais que tes sœurs, elles sont polies, c'est tout. Voilà. Et tu sais comment moi je suis, je veux pas m'énerver sur un truc comme voilà. Ça. Donc, bref, prank, donc en gros, nul. On appelle ça prank fail. Voilà. C'est raté, c'est raté. Prank fail. Mais c'est pas fini. Ça a dit que c'est nul, la chier même. C'est voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires si vous avez aimé et tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mm-hmm. Maintenant, nous allons jouer au Monopoly. Et on va pas filmer. Donc voilà, on fait des gros bisous. Ciao, la famille ensemble.